Je m'en vais. Je vais changer ma vie. Je vais m'en aller loin d'ici. M'acheter des calmars en Gucci et faire la fête pour la vie. Il faut s'amuser, il faut avoir le fun. Si tu t'amuses pas, tu es mort, tu es déjà mort. En fait, on attend que le moment pour t'enterrer et te couvrir. Il faut avoir le fun est très important. Si tu n'as pas le fun, je suis désolé pour toi. Et ce n'est pas une question d'argent, parce que le fun dépend de l'argent que tu as. Le peu d'argent avec lequel tu as, enfin, l'argent que tu as, sers-toi-en pour avoir le fun. Je vois des gens ici qui ne sont pas nécessairement riches, mais qui s'amusent, qui ont du bon temps. Ok, oh toi tu es toujours en train de t'inquiéter, oh mon mari, oh mon copain, il m'a trompé, tu vas mourir petit. Ne me cherchez pas, car je serai absent. Si tu veux faire la fête, viens avec moi. Si tu veux mon voyage. Christella, what's your name? Yeah, hello, I'm Helen. Heli. Helen. Helen, nice to meet you, Helen. Nice to meet you too. Okay, do you come often here? Not really. It's actually my first time to come here. Your first time? Yes. You look like you're having a good time. But you do swim, right? Yeah. Because you look like you can swim. Yeah, I can really swim. Mm-hmm. Okay, so the more you practice, the better you get. Yeah, of about course. Doing it more and more. Choisir son partenaire de vie, c'est très important. Votre partenaire de vie va vous aider à grandir, à devenir un géant, ou votre partenaire de vie va vous prendre de l'état le plus élevé et vous rabattre à même le sort. Très attention. Vous savez quoi, vous êtes le résultat des gens qui ont parcouru votre vie, que vous le vouliez ou pas. Je sais que c'est plus facile pour certains de le reconnaître. Ok, pour beaucoup ils ont du mal à le faire. Si vous avez connu des gens bien dans votre vie, vous en voyez les répercussions, c'est clair, c'est évident. Votre niveau social, votre niveau financier, l'argent que vous avez, votre train de vie, ça dépend des gens qui ont parcouru votre vie. Vous avez une très mauvaise qualité de gens, vous le voyez, que vous le vouliez ou pas. Vous avez une bonne qualité de gens dans la vie, vous vous élevez en société, sans difficulté, pour la plupart des cas. Faites très attention. On a besoin de cash. Je pense que le cash est très important. On peut s'arrêter là devant pour sortir un peu d'argent, s'il vous plaît. Le cash est très important, je te dis. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé. Moi, je pense que le cash est plus important que l'argent en banque. Autant on peut penser différemment, mais c'est ça. Si vous avez déjà voyagé, vous partez dans un pays étranger, votre carte refuse de fonctionner. Vous savez ce que ça donne? Quel stress! Ça rigole pas. Le cash, c'est de l'or. Voilà. À gauche, s'il vous plaît. La température a complètement changé. Il y a 5 minutes, il faisait très chaud. Maintenant, là, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus froid. Maintenant, là, je me demande, est-ce qu'il faut vraiment que j'achète un chapeau pour ça? Est-ce que je serais en train de perdre mon argent ou pas? Mais bon, après tout, je crois que demain est un autre jour, j'aurai toujours besoin d'un chapeau. Parce qu'il fera quand même chaud. Alvin Brown Beats.
Finalement, j'ai acheté des trucs dont j'avais pas besoin parce que voilà, elles sont tellement gentilles que c'est partir sans acheter, j'ai l'impression de te faire mal ou de faire mal aux personnes. C'est... L'amour, c'est pas seulement je t'aime, tu es beau, tu es belle. Hein? Non. L'amour, c'est comment on va faire pour demain. Ok? J'ai 10 000. Comment on fait pour développer ça pour que ça devienne 50 000? Pour pas que demain, tu me demandes encore l'argent de maquillage. Que tu sois à même de t'en procurer toi-même. C'est ça, l'amour aussi. Si je meurs aujourd'hui, comment tu prendras soin de mes enfants? C'est ça, l'amour. Ok? C'est pas seulement, ah, tu as des lèvres, des... D'accord, je vais raconter ça très rapidement. L'histoire, c'est, pour ceux qui n'étaient pas là l'autre fois, je vivais loin de ma famille, loin de mon pays. On était réfugiés, hein, en tout cas réfugiés entre parenthèses. On vivait dans une maison, on était des jeunes qui se cherchaient dans un pays étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le propriétaire de la maison nous a chassés, parce que voilà, on ne payait pas tout ça. Quand on nous a chassés de la maison, moi j'avais quelqu'un avec qui je parlais très souvent, il s'appelait Tamati. Tamati, c'était un jeune garçon de mon âge, de sympathique, et puis voilà, sa maman aussi était sympa. Mais à un moment donné, on a eu quelques difficultés. J'ai dit à la maman de Tamati, on m'a chassé de la maison. Elle m'a dit, ah, Zarko, on t'a chassé de la maison, parce qu'elle avait l'habitude de m'appeler Zarko. Elle dit, Zarko, on t'a chassé de la maison. Ah, ben, désolé. Bon, viens chez moi, viens à la maison, tu vas passer la nuit. Je suis allé chez elle, c'était pendant l'hiver. Je suis allé chez elle à la maison. On est là assis, tout ça, en train de discuter le soir. On fait à manger. Tamati avait sa petite sœur. Elle a fait à manger. On a mangé des sandwichs, des cheeseburgers, tout ça. Sandwich, cheeseburger. Imagine-toi, tu vis dans un pays étranger. Tu es dans la faim et tout ça. Et puis bon, on te sert sandwich, cheeseburger. C'était génial. La soirée, vers 23h, tout le monde s'est endormi au salon. La maman de Tamati vient. Elle avait autour de 67 ans, tout ça. Elle vient. Zach, viens. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, viens dormir dans la chambre. Moi, j'ai regardé, ah, que je vais dormir dans la chambre. Je dis, non, je vais dormir ici, il n'y a pas de souci. Elle dit, viens. Je dis, non, je vais dormir ici. J'ai passé nuit au salon. Le lendemain, même histoire. La journée passe, on discute carrément, tout était bien. La nuit, quelqu'un m'appelle, me dit, c'était ta Tamati. Oh non, maman t'appelle en chambre. Je me lève, je vais en chambre. Tamati reste au salon. Elle me dit, je suis pas content, je suis fâché contre toi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne dit rien, je suis rentré au salon. Après, quand tout le monde dormait, elle m'a encore appelé, Zach, viens. Je suis allé en chambre. Oh non, est-ce que tu peux me masser? Ah! J'ai vu la maman là, en robe de nuit. La maman en robe de nuit, elle m'a dit, il faut te masser dans sa chambre. Je dis, madame, non. J'ai vu seulement son positionnement, ses mains qui commencent déjà à partir de partout. J'ai dit non. Non, bien merci. Je suis rentré au salon. Je me suis couché au salon bien tout ça. Le lendemain, je suis un peu sorti comme d'habitude. Je partais faire un petit travail là, stupide. Bon, pas stupide, mais bon, négligeable. À mon retour, on me dit non, maman te cherche. Je suis parti la voir en chambre. Elle était souvent dans sa chambre. Elle me dit, Zach, tu sais, son visage a changé. Hein. Zach, tu sais, on a des visiteurs. Il y a le mari de ma soeur qui arrive. En tout cas, il faudra partir. Il n'y a pas de place ici pour toi. Ah Seigneur, tu n'as nulle part où aller. Nulle part où dormir. On nous a chassés là où on était. Je suis parti ici en exil. 2 jours après, on me chasse. Moi qui pensais que la vie était meilleure. En fait, cette maman a fait beaucoup de choses pour moi. Elle m'a beaucoup aidé. Déjà, en arrivant, elle m'a emmené
à l'université pour voilà, m'inscrire. Elle a discuté avec le recteur disant que j'étais son neveu, j'étais l'enfant de sa sœur, l'enfant de son frère qu'il avait eu avec une femme étrangère. Je suis revenu maintenant dans le pays. On m'a inscrit pour commencer mes études d'ingénieur grâce à cette maman. Mais bon, comme elle a fait ça, elle m'a même fait des photos, elle a pris des photos, tout ça. Bon, et ça, moi, je ne savais pas, moi je pensais que c'était l'amour de maman avec l'ami de son fils. Koumbe, maman avait ses idées. Maman avait son truc. Mais bon, c'est ça. Dans la vie, quelquefois, on est confronté à des difficultés. Il ne faut jamais oublier ses valeurs. Il ne faut jamais vendre ses valeurs. Jamais vendre son identité. Jamais oublier d'où tu viens. Jamais, jamais, jamais. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour l'argent. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour les opportunités. Je sais que malheureusement, cette jeunesse est complètement pourrie, il faut le dire. On fait tout pour l'argent. C'est l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu ne dragues plus. Quand tu as l'argent et qu'on sait que tu as l'argent, tu ne dragues plus. Tu souris seulement, mais moi je vous dis, tu ne dragues plus. Tu ne dragues plus. Bon, draguer, c'est même une prostituée, un maître dragué, hein, pour se sentir bien dans sa peau. Au fait, faire la cour, voilà. On ne fait plus la cour. C'est triste. Il faut préserver ses valeurs. Et je pense que si Dieu existe, parce que moi je pense qu'il existe, ça ne sera pas en vain. Les amis, c'est une superbe journée, ça a été une superbe journée. Très chaud, rafraîchissant en même temps. Excellent moment, ça fait tellement du bien. Et bien, je pense que tout ce qui a un début a une fin, malheureusement. Si vous aimez ça, vous savez comment ça se passe. Alors, j'espère vous apporter encore plus. J'espère que vous êtes heureux. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, trouve des raisons d'être heureux. La vie est trop courte pour attendre demain ou après-demain, ou quand est-ce que tu auras de l'argent. On s'en fout. C'est maintenant qu'il faut être heureux. Demain appartient à Dieu. God bless.